Bonjour, je suis Valérie, community manager graphiste publicitaire. Je forme les entreprises à optimiser leur web tous les jours, car maintenant le web est quotidien. C'est raconter la vie de l'entreprise tous les jours, voire toutes les semaines, une fois par semaine, et régulièrement, très régulièrement. Sur votre partie blogging de votre site internet, mais surtout partagez les articles sur tous les réseaux sociaux, et il y en a de plus en plus. Vous avez des réseaux sociaux généralistes, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, c'est très généraliste, tous les métiers, tout le monde est dessus, mais vous avez aussi, et il ne faut surtout pas oublier, les réseaux sociaux métiers, qui sont dédiés à votre référencement manuel pour votre propre visibilité, votre capacité à être visible tout proche de vos clients. Alors, est-ce que les clients vont sur les réseaux sociaux professionnels dédiés à votre métier? Eh bien, il faut le vérifier. C'est-à-dire que vous devez tous les jours essayez le web, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent tous les jours. Je suis contactée par des réseaux sociaux. Et puis ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que le web, c'est de vous montrer vivant. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se montre pas qu'elle est vivante, c'est-à-dire à publier aujourd'hui nous avons reçu tel matériel pour tel client, etc., une porte ouverte, l'entreprise. Eh bien, s'il n'y a pas de visibilité de la vraie vie de votre entreprise sur ces réseaux sociaux et surtout sur le blog de votre entreprise, qui est une vraie newsletter, on parle bien de blogging égale mailing, c'est-à-dire que les abonnés que vous inscrivez et qui s'inscrivent pour parfois tout seuls sur votre blogging, la partie blog de votre site internet, reçoivent dans leur mail, bien évidemment, les newsletters qui sont des nouveaux articles. Donc, le web, avant, l'an 2000, voilà, c'était hyper fixe. C'est-à-dire que votre site e-commerce, bien évidemment, il y avait des nouveaux produits qui se créaient tous les jours sur votre site, il était bien vivant, mais maintenant on blogue sur une boutique en ligne. On inscrit, et les gens, et les clients, et les prospects s'inscrivent sur votre boutique en ligne, et ils ont un profil, c'est-à-dire que vous gérez votre propre réseau social d'entreprise sur votre boutique en ligne. Et bien évidemment, un community manager. Il est là pour animer cette vente, pour être en contact avec les prospects, les clients, les fidéliser dans les fils d'actualité de votre boutique en ligne. Bien évidemment, le e-commerce. Il faut avoir son propre Facebook, son propre LinkedIn à l'intérieur même de votre HTTPS de e-commerce. C'est pas tout nouveau. Là, je suis en train de répéter ce que je répète depuis 15 ans. Donc, c'est quelque chose de pas du tout nouveau, ce que je raconte. Surtout pour le e-commerce, d'avoir justement son propre réseau social à l'intérieur même d'un... Parce que j'ai été sur des réseaux sociaux de e-commerce. J'ai eu des profils perso sur des boutiques en ligne dédiées à la déco, mais c'était quand même des réseaux sociaux déco et j'avais bien évidemment, je sentais bien qu'il y avait un community manager qui me vendait des espaces déco, des produits déco, etc. Donc en fin de compte, le web, maintenant et toujours, et celui qui va arriver, eh bien, ce fameux community manager, maintenant, il va être énormément et de plus en plus, je le vois, animateur web TV. On arrive sur la boutique en ligne, eh bien, il y a obligatoirement une vendeuse qui ouvre la porte du magasin et qui dit voilà, voilà nos nouveautés, mais en mode live, c'est-à-dire direct, en mode direct. C'est plus fort que la télé, c'est plus fort que le web, ce qui va arriver. C'est quelque chose qui va réunir les deux, c'est-à-dire les gens qui sont en capacité d'animer des émissions en mode réel. Voilà, le web, c'est de la télé, donc avec des émissions, des zooms, avec énormément de personnes, jusqu'à 100 personnes inscrites sur un événement Zoom avec des personnes que l'on voit avec des petits rectangles, et il y a un animateur bien évidemment d'une réunion Zoom avec un sujet donné, des réponses données, etc., des dialogues entre les personnes de la salle Zoom, etc. Donc ça, c'est depuis le live aussi
sur Facebook de 2015 avec Jean-Louis Aubert, le premier en France à avoir fait avec sa guitare le premier live sur Facebook. Oui, il faut faire des lives, oui, on n'est pas obligé, si même un expert web qui vend du web n'est pas obligé de faire des lives, hein, on est, voilà, c'est comme vous le souhaitez. C'est intéressant de nous voir en mode pseudo réel, voilà, vous me voyez actuellement en mode réel, je n'ai rien préparé, j'ai juste allumé ma caméra de mon ordinateur, mes yeux qui baissent parce que je me regarde, comme pour dire, bon, elle se regarde. C'est un peu humoristique aussi le live, c'est pas un live en plus, c'est une vidéo que j'ai fait à partir de ma caméra, de mon ordinateur et le 600-480 de mon Microsoft LiveCam. Le web, celui qui arrive, va pas du tout être le même que celui d'avant. Mais alors là, il y a eu quand même des étapes. Hein. Web 1, les sites internet. Web 2, les blogs. Le web 3, le site blog avec réseaux sociaux. Les associations, des badges sur les sites internet, l'association avec les réseaux sociaux. On a bien nos petits logos de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et tous les Reddit et tout ça, tous les petits logos. Bibi, tout ça, les petits logos qu'on a sur notre site internet, puisqu'on associe en échange de liens, bien évidemment, les réseaux sociaux auxquels on est associé sur notre site internet. On se partage, allez voir nos partages, etc. Oui, on se déploie. Avant, on était très resserré sur notre site internet statique, tout petit, là, avec très peu de contenu. Oh là là, c'était tout petit, 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 puis tout maintenant, ben voilà, on se déploie. On est en éventail, on rayonne sur le web, on est influenceur de notre propre entreprise, on est influenceur, on influence le partage, on attire le client, inbound marketing, actif, inactif, on n'attend pas trop non plus, on dit bonjour dans les messages privés quand même, parce que quand un nouvel ami arrive sur votre profil Facebook, eh bien oui, il faut lui dire bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, on s'est rencontrés via éventuellement l'algorithme de Facebook, mais bon, je pense qu'on a à peu près les mêmes intérêts, voilà, on se présente tous les deux, puis hop, on se téléphone. Ah bah oui, la force du téléphone, mon Dieu. Il faut téléphoner toute la journée. Si vous avez une entreprise où vous sentez que vous n'avez pas du tout de relation téléphonique, je ne sais pas comment vous pouvez avoir des clients. Je ne comprends pas les gens qui sont jamais au téléphone et qui ont des clients. Bien évidemment, ils peuvent avoir une boutique en ligne qui fonctionne toute seule, avec un stock d'objets qu'on vend. Oui, là, oui, bon, la relation, c'est achat-vente, SAV, mais on est tout le temps au téléphone, pourquoi pas pour le SAV aussi, quand même, voilà. Mais on est avec nos prospects, ben, il faut être au téléphone. Moi, je suis tout le temps au téléphone. Bon, j'ai quand même été téléprospectrice pendant quelques années pour une entreprise de web, pour vendre des sites e-commerce, comme quoi on peut par téléphone vendre des sites e-commerce et de vendre aussi des sites internet pour les entreprises. Voulez-vous un site internet? C'était ma question. Par téléphone! Et puis par Skype. Alors maintenant, oui, par Skype, on peut faire beaucoup de choses. Franchement, là, les relations, live, direct Facebook, conversation aussi, Google, Goose, voilà, peu importe l'outil, hein, mais nous sommes maintenant en relation live avec les personnes.